Aujourd'hui, on va voir une astuce pour faire une préparation ample vers le haut en coup droit. Salut, c'est Fab de progressivetis.com, donc moniteur depuis 92, ancien 0 pendant 5 ans. Donc on va voir une astuce pour améliorer sa préparation de coup droit. Souvent, il y en a qui font des préparations vers le bas ou rectiligne. Et du coup, ils sont sous tension. Ils ont du mal à avoir du relâchement dans leur coup droit, tout simplement parce que leur préparation n'est pas assez verticale vers le haut. Ça permet de relâcher le bras et d'éviter de porter la raquette vraiment à bout de bras. Et donc, on va voir deux astuces. Alors la première astuce, il faut une casquette. Donc on va se rappeler que simplement la tête de raquette va passer à côté de notre tête. Donc pour ça, on va toucher avec la tête de raquette la casquette, voilà, pendant la préparation en partant derrière. Donc ça va faire simplement raquette-casquette. Et donc vous allez être obligé de garder cette tête de raquette près du corps. Et donc du coup, le bras est plié. Vas-y Rémi, mets-toi en position où tu touches la casquette. Pendant ce temps-là, le bras s'est plié, la raquette n'est pas très loin, et du coup, on n'a pas besoin de porter à bout de bras cette raquette. Et donc, on peut rester en parfait relâchement pour ensuite déclencher un geste qui va être plus rapide et plus efficace. Alors, deuxième astuce pour garder la tête de raquette près de la tête, en fait, c'est peut-être un peu plus pour les filles, là, c'est on va faire un bisou à la raquette. Donc, au niveau de la préparation, voilà, on s'approche, petit bisou, et puis on peut passer derrière. Donc, ça permettra de garder la raquette proche, et d'avoir une autre astuce, et après chacun pourra choisir celle qui lui plaît. Voilà, j'espère que ces deux astuces vous auront servi, vous seront utiles, et je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao. Alors salut, c'est Fab de progressivetis.com, donc moniteur depuis 92 et quoi d'ailleurs et ancien zéro depuis... merde. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.